We live in the myth that a lot will never get spilled. We'll never have an accident. Why would that be? Well, for one, because we're Americans and bad things don't happen to us. And the other myth is that BP, British Petroleum, is so big and so worldwide that it would be too big to fail. Well, there's been a blowout on a natural gas rig in the Gulf of Mexico, and it's forced dozens of workers to evacuate. Officials say it is still burning, and it's still out of control right now. On April 20th, 2010, a powerful explosion rocks the Deepwater Horizon drilling platform in the Gulf of Mexico. It leads to what will become America's largest oil spill. Le 11 octobre dernier, plus de 2500 personnes se sont réunies dans la ville de Kakuna pour protester contre le projet de construction d'un port pétrolier dans le fleuve. C'est avec raison que les gens se sont tenus pour préserver la pouponnière des Bélugas de Saint-Laurent, maintenant menacée par la construction de ce port pétrolier, et pour envoyer un message à TransCanada. Le transport du pétrole, qu'il soit fait par voie ferroviaire, par voie maritime ou par pipeline, n'est pas sécuritaire et menace grandement les écosystèmes. Les courants présents dans le fleuve du Saint-Laurent sont parmi les plus complexes au monde. Ils sont forts et multidirectionnels. En cas de déversement de pétrole dans celui-ci, les scientifiques s'accordent pour dire qu'il serait impossible de nettoyer le fleuve en raison de l'activité des eaux et de la glace présente dans celle-ci. Le transport du pétrole par superpétrolier est un véritable danger pour l'activité des bélugas, qui ne sont plus que 880, et de nombreuses autres espèces du fleuve Saint-Laurent. Ces bateaux massifs polluent non seulement les sources d'eau de notre territoire, mais dérangent la faune fragile du fleuve. Pour l'équipe du projet d'Oléoduc Énergie Est, chaque détail compte. Chaque goutte d'eau, chaque feuille, chaque espèce est importante pour chacun des membres de l'équipe de TransCanada. Il est totalement hypocrite de la part de TransCanada de faire de la publicité pour convaincre les gens de l'intérêt sincère de la multinationale envers l'environnement lorsque cette compagnie commence, sans avoir fait d'évaluation environnementale, les forages d'exploration dans le nid des bélugas. Le 18 novembre 2014, Greenpeace a mis la main sur des documents confidentiels préparés pour TransCanada par la firme Edelman, la plus grande agence de relations publiques au monde. Le document expose l'évaluation stratégique et les tactiques proposées à la compagnie pétrolière afin de mettre en valeur leur projet de construction d'un oléoduc du nom d'Énergie Est. Une partie de leur stratégie consistait à recruter et à payer 35 000 personnes qui contribueraient à créer une fausse mobilisation citoyenne sur les réseaux sociaux. Une autre était d'attaquer les groupes environnementaux en opposition au projet en rédigeant une liste des moyens de pression utilisés par ceux-ci dans leurs actions passées, en plus d'effectuer des recherches pour trouver des informations pouvant être compromettantes pour ces derniers, que ce soit sur le plan juridique ou financier. De plus, le groupe Edelman a conseillé TransCanada de financer massivement les universités ou les scientifiques effectuant des recherches environnementales afin de se donner une meilleure image. Comble de l'ironie, on apprenait récemment que TransCanada a approché l'Institut des sciences de la mer de Rimouski pour l'aider dans le financement d'une étude axée sur les bélugas. Nous faisons ici face à un véritable système de propagande et c'est à nous, citoyens, de s'assurer que nous ne nous laisserons pas influencer par ce stratège. Il est de notre devoir de se lever afin que nos intérêts soient entendus et non ceux des multinationales qui ne sont qu'à la recherche de profits sur le dos des populations locales. Pourquoi accepterions-nous que la réserve d'eau potable des Québécois se transforme en autoroute à superpétrolier, en devenant ainsi la voie d'exportation d'une ressource qui ne profite qu'aux grandes compagnies? Je suis un mégantique. On est le 4 juillet, 5 juillet, 1h30 du matin. Un train de gaz vient de prendre feu, a déraillé en plein centre-ville de Mégantic. La production nord-américaine de pétrole ayant augmenté, les compagnies doivent trouver de nouvelles façons d'exporter leur brut, car le réseau de pipelines est déjà surengorgé ou coule dans la mauvaise direction, comme c'est le cas pour l'oléoduc 9B. Résultat,
la quantité de pétrole transitant par train a littéralement explosé avec une hausse de 28 000 % en 5 ans au Canada et en augmentant de 25 fois chez nos voisins du Sud. Le problème est que nos infrastructures ferroviaires ne sont pas prêtes à faire face à de telles augmentations d'achalandage. D'une part, les rails sur lesquels voyagent les convois explosifs sont en piteux état, voire même désuets. De l'autre, les wagons servant à la livraison du pétrole volatile ne sont pas adaptés pour le transport de cette matière dangereuse, comme on a pu le constater après la tragédie de Lac-Mégantic. Ce qui est inquiétant à propos de cette nouvelle méthode d'exportation est qu'elle n'est pas plus sécuritaire que le transport du pétrole par pipeline. Mais est-ce que c'est ce que vous voulez vraiment? Que de véritables bombes à retardement traversent nos villes et nos campagnes, menaçant d'exploser à tout moment et en mettant en péril la vie de milliers de personnes, ainsi que la santé de nos écosystèmes? Eh bien, c'est le virage que nos gouvernements ont décidé de prendre. Breaking news from Los Angeles, a massive oil spill near Glendale overnight. A ruptured pipeline spilled about 50,000 gallons of crude oil onto the street. La construction de l'oléoduc NRGS, annoncée en octobre 2014, pourrait causer une augmentation de 30 millions de tonnes de gaz à effet de serre, en plus de mettre en péril la qualité de l'air que nous respirons, de l'eau que nous buvons et de la terre sur laquelle nous habitons. La compagnie Enbridge veut renverser le flux de la ligne 9B à partir de North Westover, en Ontario, jusqu'à Montréal. Le pétrole des sables bitumineux pourrait donc bientôt couler jusqu'au Québec en passant par la Montérégie, les Basses-Laurentides, Lanaudière, Laval, Montréal et l'Estrie. On remet beaucoup en question l'intégrité de la structure du pipeline 9B. Il faut savoir que ce dernier, déjà âgé de près de 40 ans, présente quelques marques de corrosion et de fissures inquiétantes. Des experts prédisent d'ailleurs une fuite dès les 5 premières années suivant l'inversion. Et ça, c'est s'il ne flanche pas sous le changement de pression. Bonjour, je m'appelle Georges Larac et je serai à la marche contre la pétrolisation du Québec ce samedi 6 décembre. C'est un rendez-vous au Cégep de Sherbrooke à 1h. À bientôt.